Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Darkus, comment que c'est? Yo 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 les potes, ça va super bien. Pourquoi on se retrouve C'est la aujourd'hui avec folie. Darkus? Tout simplement les amis, parce qu'on a un nouveau concept de vidéo, de série à vous présenter. Donc ça sortira tous les lundis, tout simplement. Ça va être très très simple, vous savez que Darkus c'est le king du mode créatif. Et il a une petite idée, on s'est dit tiens ça peut vraiment être sympa. En fait ça va être tout simple, on va vous présenter dans deux vidéos parce qu'il y aura une vidéo sur la synergie et tout de suite après cette vidéo les potes vous allez sur la chaîne de Darkus pour voir la suite de la vidéo avec les autres petites nouveautés qu'on vous réserve. Et en fait chaque semaine il y aura un thème avec des petits tips, des petits tutos, des petites astuces qu'on utilise dans le créatif qui peuvent vous être ultra intéressantes. Donc voilà, on s'est dit on va faire une partie sur Synergy, une partie sur Darkus, comme ça vous aurez un maximum d'infos tout simplement. Donc ça fonctionnera comme ça toutes les semaines. Et aujourd'hui je vais laisser Darkus nous expliquer quel va être le thème de cette première série pour inaugurer un peu ces petits tutos, cette petite nouveauté quand même qui va être fort sympa. Eh ouais, grosse nouveauté, hein. Mais c'est ça, même grosse, ouais, effectivement, très grosse nouveauté. Mais je Parce que pense là, que ça va être on va sympa. leur montrer des trucs que même pas ils auront imaginé. Ouais, c'est vrai que, de toute façon, C'est après, pas possible. normalement, quand tu dis Darkus, tu vois, on sait que derrière il y a des trucs, tu vois, qui. Parce que bon, toi, je sais que t'es le roi, t'es le gars, oh, des fois je fais tes maps, je suis là en mode. Mais ouais, ça vient d'où ça? Tu sais, ils ont rajouté un nouveau truc au créatif? Non, non, en fait, c'est Darkus, il a eu une idée, il a mis un truc en place, il a créé un truc. Je te fais un petit combo comme Jaja. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc les amis, vous savez comment ça se passe maintenant. C'est une partie sur Synergy, la suite sur la chaîne de Darkus. De toute façon, le lien il sera dans la description. Donc regardez bien la vidéo pour voir les tips là. Allez sur la chaîne de Darkus pour voir la suite des petits tips. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander tout de suite dans les commentaires de nous donner vos avis et de nous dire si vous voulez un thème précis pour la semaine prochaine. Tout simplement, on peut fonctionner comme ça. Comme ça, nous, on va regarder les commentaires sur les deux chaînes, de dire voilà, il y en a beaucoup qui veulent ça ou ça ou ça. Et on essaiera de vous proposer des choses que vous nous demandez, que vous avez besoin. Comme ça, c'est d'autant plus pratique pour eux aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Ah franchement, ça a l'air génial, hein. Bah, let's go. Alors, On prend les meilleurs avis. le Let's go. thème de cette première épi enfin de ce premier épisode, pardon, le thème de ce premier épisode, il va être le suivant. Darkus, à toi l'honneur. Les zombies, les gars, les putains de zombies. Ça va être les zombies, tout simplement. Vous allez avoir des petits tutos créatifs sur les zombies. Darkus, je te laisse nous expliquer quelle va être la première astuce, tout simplement. Et puis, on va vous montrer tout ça dans les détails, les amis. Donc voilà, c'est parti. Let's go. On se donne rendez-vous tout de suite avec les premiers conseils. Bon, on va commencer une petite astuce, tout simplement, un petit manège de zombies, avant de commencer des petits trucs un peu plus complexes. Alors, pour commencer, on sort le téléphone et on va sortir le générateur de créatures, qu'on peut faire apparaître directement. Donc le générateur de créatures, les gars, je vous le montre directement sur l'écran, parce que Darkus, enfin, voilà, il l'a sorti en un dixième de seconde, je vous le montre, il est en là. one shot. C'est ça. Alors c'est pas mal, depuis l'avant-dernière mise à jour, ils ont mis le cercle d'apparition des créatures. J'avoue que c'est stylé parce que avant, enfin, tu savais pas Ouais, trop où c'est que ça allait et arriver et tout ça ça, va tu vois. beaucoup nous aider pour faire ce qu'on veut. Par exemple, plus le cercle il est grand, plus les créatures apparaissent en grand nombre. Donc si vous mettez D'accord. un petit cercle, le plus petit à 0, 1, demi, là les créatures vont apparaître une par une. D'accord, donc ouais, donc même si tu mets 20 créatures dans un petit cercle, elles vont apparaître une par une. Tandis que si tu en mets 20 dans un grand cercle, elles vont apparaître plusieurs par plusieurs, c'est ça? Exactement. Ça c'est très important parce que moi je me suis fait, tu vois, même moi, j'apprends des trucs parce que je me suis fait niquer la dernière fois dans une créa, j'ai dit putain mais pourquoi je mets 20 zombies, ils pop pas, c'est quoi ce bordel? Bah voilà, vous avez la réponse, on en apprend même nous, tu vois, c'est ça le côté cool. Ouais, et donc ils vont apparaître petit à petit, on va tester ça, je peux supprimer le tien. Ouais, vas-y, vas-y, Me moi je l'avais dégage. juste fait pop, c'était pour entre Alors, guillemets leur montrer petit directement. manège de zombies, tout simplement, on va commencer par faire un petit carré de 4 par 4. On va placer notre petit spawner de zombies dessus. Ok, donc même quand tu l'as fait pop, tu peux le déplacer tel un objet standard, ça c'est le côté Ouais, cool. voilà, c'est un objet comme tout, tu peux même le grandir. Tu peux le grandir, le rapetissir, t'en fais vraiment tout ce que tu veux. Ça c'est le côté cool parce que si demain tu veux en mettre 10 qui ont les mêmes caractéristiques, t'en fais un, tu le paramètres, tu le copie-colles. Ouais, Ça tu c'est le côté copies, tu génial. colles, tu copies, tu Ouais, ça c'est colles, le côté cool, tu voilà. Un autre supprimes. petit tips dans le tips en même temps parce que je sais que des fois, il y en a, ils ont des réflexes de dire tiens, je vais en faire apparaître 5, je vais les paramétrer à la main. Non, t'en fais apparaître Alors, un, ils boum, sont tu même copie-colles. duplicables, on peut même aussi les dupliquer. Oh là là, le mec il. Ça C'est y est. vraiment Mais l'outil insane. duplication est vraiment fort. Hein. Enfin, vraiment, vraiment ouf quand même. Ouais. Ah, grave, grave, grave. Du coup, Donc, alors, petit cercle. Enfin, là, petit cercle. Petit carré de on a 4 fait le par petit 4. cercle.
On veut faire un petit manège, par exemple. Les zombies sont comme les joueurs, ils prennent tous les accélérateurs, les pads, les jumps, sauf les même les pièges, hein. Ils déclenchent même les pièges, sauf ce que je veux dire, les accélérateurs modulateurs de vitesse. D'accord. Ça, les zombies, ça leur fait aucun effet. Donc ça, c'est celui, tout ce qui est accélérateur et modulateur, c'est jaune et vert, c'est les pads jaune et vert. Ouais, exactement, ouais. Donc le modulateur vert, il fait rien du tout sur les zombies. Ok, d'accord. Le jaune, par contre, lui... Il les propulse quand même ? Il les propulse, et on va s'amuser avec ça, pour leur faire faire un petit manège. Et par exemple, avec ça, on peut s'entraîner, c'est super pour le aimbot training. Hein, tu veux traîner ton training, ton AM. Oh, il vient de me mettre de la lumière dans les yeux, genre j'ai des étoiles là, je viens de percuter ce qu'il est en train de me dire, je me suis dit mais c'est trop... Ouais, parce qu'au final c'est une variable aléatoire qui bouge et c'est... Enfin ouais, non mais c'est trop bien. Ouais. Donc là, on veut pas que les zombies sortent. Donc soit, tout simplement, on va mettre des murs au bout de chaque poussée pour bloquer les zombies, mais je pense qu'on va essayer de faire un truc un peu plus complexe et sympathique. On va mettre des murs blocs tout autour. Ah, les murs blocs, fameux, on va les paramétrer pour que les balles puissent traverser. Ouais, les fameux murs invisibles avec le petit paramétrage en mode « Bonjour, la balle, elle traverse. » Ouais. Exactement. Bon, faut que je prenne le bon. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Voilà. Oh, j'allais dire. Hop. Un mur bloc. Tu l'écartes à la bonne... Tu mets à la bonne écartement. Alors, un petit peu encore. Ah, 5. Tu peux les mettre aussi à 5. Largeur. 5. Largeur 5. Bloquer les tirs dans le jeu, on met bien non. Surtout les amis, mettez bien non, parce que sinon ça ne marchera pas. Ouais. Là par exemple, celle-ci, je me sers tout le temps de ça, hein, les gars. C'est la nouvelle plaque inventaire et paramètres de groupe. C'est super pour paramétrer ce que tu veux spécialement pour un joueur, une équipe, précisément. Ça, je m'en étais servi, moi, c'était dans la map Game of Thrones, où j'avais paramétré que quand t'étais dans l'équipe 1 et que tu mourais, tu passais directement dans l'équipe 2 derrière, tu vois. Et ça donnait des trucs différents, tu vois. Donc ça, c'était cool, en mode genre, ça te donnait une deuxième chance, mais dans une autre équipe et tout. Oula, d'accord. Il y a nous, du gold. Tout ce qu'on veut, sont du gun. Alors, on va balancer du gun, parce que c'est juste pour l'exemple. On va tirer un peu sur les zombies. Est-ce que, là, ça va être toi d'agir, est-ce que dans les paramètres, tu peux mettre du soleil, mon pote? Du... On veut du soleil. Du soleil, soleil. Alors, moment de la journée, on va se mettre un petit midi, heure de l'apéro. Hop là. Yes, l'heure de l'apéro. Et tu peux envoyer la partie. Envoie la partie et on va voir ce que ça donne. On est parti les amis, let's go maintenant. Normalement, on va être tout bon. Ah, what? Tellement dur. Bon, en vrai il passe tellement vite. Après voilà, vous pouvez accélérer, ralentir la vitesse aussi des pads, hein. Bien entendu. Le petit time training là. C'est un délire, gros. On dirait. Tu vas te péter ta tête sur les autres. Donc dans le... On reste dans la série manège, hein. Yes, toujours dans la série manège, du coup, là, je sens la V2, l'amélioration, tu veux supprimer les zones, on supprime les zones. Ouais, on va juste garder le générateur, parce qu'il est bien paramétré. Hop là. On est bon. On va faire un petit manège encore. Oh. Voilà. On va sélectionner les murs blocs. Les murs blocs nous intéressent beaucoup, beaucoup. On sélectionne la hauteur directement en paramétrant bloquer les armes, non. Ok. Hauteur 6, je pense que je suis bon là. Encore 1, je dirais. 7, c'est bien. 7, perfect. Alors, on en met un devant. Ah donc ouais, là tu vas complètement... Ça va être un aquarium à zombies en fait. On fait un aquarium à zombies. Pas vraiment, tu vas voir le délire. Pas vraiment. Je suis dégueu, j'aurais bien fait un aquarium à zombies. Largeur. Bon, ça va être ça en fait, ça va être un aquarium à zombies mais assez spécial vu que ça va être une sorte de manège. On met on place le générateur au milieu. Ok. Hop, hop, hop. On remet notre petite plaque accélérateur. Alors, il en faut d'autres. Le mec il est là à court de munitions. On en met trop. Alors généralement les deux dernières, les deux duos, je les mets en élevé pour qu'il y ait plus de poussée. D'accord, ok. Donc petit tips, mettez les deux dernières en élevé. Voilà.
Donc là, ça m'a pris, hein, vous avez vu, 1 minute 30 à faire. Même pas. Ouais, en vrai, même pas, gros. Et je présume qu'on peut Pas, même lancer le jeu pas. directement. Là, on peut lancer. Aïe aïe aïe, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, les amis. Attention, c'est parti. Avec le petit décompte au début, c'est tellement stylé, gros. Ah, c'est pas mal si j'en rajoutais. Oh, excellent! C'est la grande roue des zombies. Mais c'est trop bien pour faire du aim tracking, ça. Parce que tu sais la distance qu'ils vont prendre. Oh, mais Là, pour train lane, c'est insane. on a mal réglé la première, le premier mur, on tire pas à travers, je crois. Ouais, on tire dessus sur le premier mur. Ah bon, Ah, c'est hormis dommage. cela, il y a le petit, voilà, mais de toute façon, vous avez compris, vous mettez que les balles puissent traverser tout simplement, les amis. Et derrière, vous pouvez faire votre petit aim training. Oh là là, mais c'est vraiment stylé quand même. Mais en plus, ouais, c'est vrai, le truc, c'est que ça a pris 2 secondes, tu vois. Genre, bon, après, voilà, si vous voulez faire une map spécifique, ça vous demande un temps fou parce qu'il va falloir habiller. Mais genre, en soi, le mécanisme, regardez. On pourrait presque faire une horloge, tu sais. Une horloge de zombies. Peut-être tu mets des aiguilles au milieu, tu sais, non, mais tu fais c'est un ça, beau tu les délire. calcules en fait, tu paramètres le truc pour que quand ça fasse le tour, tu sais, ça mette vraiment 1 minute à faire le tour, tu vois. Bon, je pense que ça risque de demander du temps et du cassage de tête en fait pour faire ça. Ouais, c'est en mode toboggan automatique de zombies, quoi. C'est trop ça. Mais du coup, ouais, c'est trop cool parce qu'en fait, tu peux faire des projecteurs de zombies, genre t'es sur une map, t'as des zombies qui te sautent dessus, tu sais. Exactement. Bah justement, on va leur montrer l'astuce pour faire ça, je crois. Bah écoute, let's go, hop, ça on peut supprimer. Du coup, on garde juste le générateur, le reste. On a tout sup. Il n'y a plus rien, tout Alors, simplement. nos spawners sont là-bas. On est parti. On prend de la hauteur. Tout simplement, on va prendre de la hauteur et remonter, comment ça s'appelle, le générateur de zombies. Voilà, vous Hop, avez on vu, va le mettre petite plateforme sur avec notre le petite générateur de zombies plateforme. dessus. Voilà, on va remettre encore des accélérateurs parce que les accélérateurs, on s'en sert quasi tout le temps. Mais en vrai, il y a plein de mécaniques avec les accélérateurs. C'est trop sous-coté en fait dans la créa. Ouais, l'accélérateur, ils sont vraiment géniaux. Ah là là, regardez-moi ça. Est-ce que vous le voyez arriver Alors, le petit tremplin là? là, par exemple, on va élargir le cercle d'apparition de zombies. Ah oh, mais comme ça, il va y pouvoir y en avoir plus. Ouais, ils vont un peu plus apparaître, et puis surtout sur une plus grande zone. D'accord, oui, Si donc tu veux que, par effectivement. exemple, faire pleuvoir du zombie sur une grande zone, t'élargis le cercle et tu mets beaucoup plus l'accélérateur, et ça va pleuvoir sur une plus grosse zone. Ok, nice. Et juste comme cela, on peut lancer le jeu. Attends, avant de lancer, je vérifie la portée d'activation des zombies. Vérifie la Je portée, pense moi qu'on je va la vais mettre. On va la mettre au max. juste nous mettre un Max. truc qui s'appelle les munitions infinies. Parce que tout à l'heure Let's go. j'ai Ah, gaspillé mes attends. balles. On peut le mettre directement sur la plaque là. Ouais, c'est vrai que tu peux forcer. En fait, ce qui est bien, c'est que la plaque force les dégâts de base. Enfin, les réglages de base. Donc, ça, c'est génial. Tu vois, si demain, moi, je fais de la créa, que je pars 1 heure, tu vois, qu'il y a quelqu'un a besoin de modifier un truc, il peut le faire direct. Est-ce qu'on est tout bon, mon ami? On est tout bon. Regardez, vous avez vu le temps que ça a pris. 1 minute 30 montre en main. Et vous allez avoir une catapulte. Oh. Oh, c'est trop Regardez, cool! ils vont me tuer, ils vont me tuer! Ils vont me tuer, gros! Ah, C'est ils m'ont trop cool! défoncé! Ouais, ils font trop mal. Regarde, regarde, regarde! Oh, c'est trop génial, j'adore! Regardez ça! Allez, on explose. En plus, avec l'arme là. Oh, attends, est-ce qu'il y a moyen d'en avoir en hauteur? Oh non, c'est trop dur de les avoir. Tu peux même faire un ball trap, tu sais. Mais en vrai, les avoir dans les hauteurs. Oh, je l'ai eu! Je l'ai eu dans les airs avec l'arc. Trop cool. Là, tu peux faire apparition de un seul zombie pour t'entraîner à tirer à l'arc et aux snipes. En vrai, tu peux traîner Ça, c'est beaucoup de choses plus sur. fou. Enfin, tu peux t'en servir dans les modes de jeu comme juste te faire des maps aim de malade. Ouais, bah justement, en parlant de map, bah, il y a Zifouz qui, normalement, dès qu'il aura son code créateur, nous publie une super map training avec du zombie. Ah là là, voilà, vous savez les gars, Zifouz il est dessus, ça va sortir incessamment sous peu. Dans les bacs. Du coup, énorme. Les amis, ce qu'on va faire, c'est que
pour le côté synergie, les premiers tips, on va s'arrêter là. On se donne rendez-vous tout de suite sur la chaîne de Darkus. Vous avez le lien en description, tout simplement, les amis, pour voir la suite des petits tips. On se donne rendez-vous sur la chaîne de Darkus. A plus, tout le monde, et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, et surtout si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on aborde la semaine prochaine. A plus, tout le monde, ciao, ciao. Ciao, ciao.